Bonjour à tous, c'est le début de l'étape numéro 10 et nous quittons, enfin on repasse par Rousson-sur-Loire pour la quitter, direction Saint-Satur aujourd'hui, c'est juste à côté de Sancerre et ça sera la dernière, enfin c'est l'avant-dernière étape. C'est la dernière. Exactement. Attention, on n'est pas prioritaire. Hein. Ouais. Bon, et donc ça sera en effet notre dernière nuit ce soir. On rentre à Nantes juste après l'étape de demain. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Ça va être à droite. Nous sommes de retour sur la Loire. Maintenant, nous retournons au pont d'hier et on va passer de l'autre côté. Nous allons passer sur ce charmant pont pour traverser la Loire à nouveau. Et nous y allons, Sancerre, 44 km, ça me paraît un peu loin, mais en même temps on s'arrête pas à Sancerre, on s'arrête à Saint-Satur. Donc voilà, nous y allons et on traverse ce joli pont. Allons-y. Ouais, c'est un deuxième pont à côté qui est accroché. C'est sympa. J'aime beaucoup, c'est une excellente idée. Ah, c'est vraiment bien. Ouais, putain, sécurité quoi. Ouais, tu peux t'arrêter là. Ah, c'est joli. Ah, franchement, c'est joli, j'ai oublié de filmer pour eux. Ah, on peut descendre ici même. Pour descendre sur le banc de sable. Trop classe. C'est un super aménagement, ça c'est franchement, c'est vraiment génial. Vraiment très très cool. Où est-ce qu'on passe? Ça a l'air d'être par là. Hop. C'est joli! Oh, ça va, pas obligé de crier comme ça. C'est vraiment superbe. Bon, apparemment, il va faire chaud demain. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra. On partira tôt demain, je pense. Et aussi bah, pour pouvoir rentrer à une heure décente. Voilà. À Nantes. Bon, je voulais juste dire un truc là, dans ce plan. Je sais pas ce que t'en penses toi Émilie, mais moi c'est quelque chose qui me fascine, c'est à quel point on est loin de chez nous. C'est super marrant, enfin impressionnant en fait. Avec quand tu regardes sur une carte. Ouais c'est ça. Tu regardes une carte et en fait tu fais putain on a fait tout ça
avec des coups de pédale là, c'est plutôt marrant. J'aime bien regarder ça, voilà. Là ça fait mal. Ah là ça fait mal. Faut aller par là-bas. Mais tu vois, il n'y a aucun panneau. À part celui-là. C'est vraiment de la. Bon, on fera une vidéo récap après l'aventure. Et en fait là du coup on suit le canal latéral à la Loire. Comme ça qu'il s'appelle. C'est un canal qui suit la Loire. J'avoue, faire la Loire à vélo pour que ça ressemble au canal de Nantes à Brest. Bon, un peu dégoûté quoi. Ça aurait été un petit peu plus proche pour nous le canal de Nantes à Brest. Hein, pour faire du canal. Et moins long, c'est vrai. Bon, franchement, on est plutôt d'accord là-dessus, tous les deux. C'est que bon, du canal, putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde, quoi. Désolé pour les mots, mais c'est chiant. C'est des grandes lignes droites. C'est du chemin pas très agréable. Puis on se fait chier, quoi. Parce que c'est monotone. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis. C'est sympa. C'est le canal de Nantes à Brest, quoi. Sauf qu'il n'est pas de Nantes à Brest. Oui, on va plus vite que c'est certain. C'est comme sur le canal hein, de Nantes à Brest. On va plus vite que les bateaux. Et voilà la centrale de Belleville. Qui est vachement grande mais qui est en maintenance. Mais elle est vraiment immense. Je crois que c'est là qu'on a nos réacteurs les plus puissants. Enfin, ça fait partie de nos réacteurs les plus puissants sur le parc actuel. Eh, hey, on est dans les Simpsons là ou quoi là? Hein? Il y a Homer qui travaille à la centrale ou quoi? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, c'est trop classe. C'est tellement haut. Le CNPE de Belleville, centre nucléaire de production d'électricité. Putain, ça envoie. Hein. Nous venons de passer la centrale de Belleville. C'est super impressionnant, franchement, quand on passe en bas, on se sent vraiment tout petit. Voilà. On a bien fait des photos, mais il n'y a pas le droit. Ouais, on n'a pas le droit de faire de photos, évidemment. Voilà, franchement, on avance bien, hein. On a déjà fait 25 km, mais il y a du vent, c'est désagréable. Mais il fait un soleil, ça tape vraiment aujourd'hui, donc là, faut qu'on fasse un arrêt à la pharmacie pour aller racheter la crème solaire, parce qu'il n'y en a plus. Et ça tape, hein. Ça tape. Mon boîtier de pédalier, il fait vraiment, enfin, le pédalier, il fait un bruit, là. J'aime pas ça du tout. J'espère que ça va tenir. On va prendre le pont de Cône-sur-Loire. Je sais pas comment ça se prononce. Mais, bon, c'est pas très accueillant, comme vous pouvez le voir. Route à 80, et nous, on est là.
pas ouf quoi. Mais bon, c'est comme ça. On doit y passer. Nous sommes les vilains cyclistes. C'est à nous qu'il faisait coucou. Bon, il a fait coucou. Il sera dans le vlog. Ok. Et là, on fait quoi? Bah, on a. C'est bon, il n'y a personne. Putain, quelle merde, hein. Il est joli le pont, il est grand. Et regardez les abonnés. Un pont à Auban. Alors, c'est joli des deux côtés, mais je vais pas enlever une main pour cadrer, je suis désolé. Normalement. Ouais, si je peux là. Regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Parce qu'il y a la barre en fait en métal. Vous n'avez pas la priorité, ouais, bah je suis cycliste quoi. Ouais, on va tout droit. Donc voilà, on a fini de manger. On est reparti et bah là on se tape du canal. C'est vraiment chiant. Genre vraiment on s'emmerde un peu, je vous avoue. C'est vraiment bah c'est pas fou quoi, c'est monotone. Hein. Et du coup c'est chiant un peu. Mais bon. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc bah on avance et puis voilà. Hein. Bon, Émilie derrière. C'est vraiment chiant, on est sur du canal encore, toujours. C'est vraiment long, regardez. Et bah, on n'a pas le choix. Je vous avoue, c'est un peu chiant. Ça casse un petit peu le truc là, c'est un peu relou. C'est trop monotone en fait le canal. Hein. C'est toujours pareil, quoi. C'est la même chose. Du coup c'est un peu chiant, mais bon on n'est pas très loin, on est bientôt arrivé normalement. Donc ça c'est une bonne nouvelle, voilà. Mais nous y sommes. Nous y sommes. C'est joli. T'as vu les collines là? Ah, il y a trop de vent, ça m'énerve. Mais on arrive à Saint-Satur. En fait, Saint-Satur, c'est juste à côté. C'est juste à côté de Sancerre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a trop de vent. Ça me saoule. Tenez, je vous montre. Là-haut, là, sur la colline, là, c'est vraiment joli. On va pas y aller, je vous avoue, mais c'est joli. C'est un peu trop haut pour nous. Mais ouais, c'est sympa. Et c'est pas dans notre direction, mais... Ouais, la tyrolienne, ouais, un téléphérique, ouais. Un tire-fesse, ouais, parfait. Bon, voilà. Donc, Émilie vient de dérailler à nouveau. Encore une fois, on voit juste là. Oh, mais c'est bon, t'as renrayé, c'est bon. Ah non, presque. Et donc, nous voilà arrivés à Saint-Satur. Je vais juste vous montrer la vue, c'est vraiment sympa. C'est vraiment joli. Franchement, c'est vraiment joli. Voilà. C'est la Loire. Nous sommes arrivés. 2h45, ça va. Hein. Franchement, c'était rapide. Hein. C'est une petite étape aujourd'hui quand même. Et ouais. Bah, c'est cool. Voilà. On est arrivé et c'est vraiment grand. Là, elle est vraiment large aussi, la Loire. Mais elle est belle. Elle est magnifique là. Voilà.